un samedi avant l'ouverture au public du Mondial de l'Auto 2018. Je compte sur vous aujourd'hui pour bien les accueillir à l'image de la marque, à l'image de Toyota. C'est l'heure du briefing. Jupe longue et petite veste pour les hôtesses avant d'entrer en piste. Clémentine, elle, est affectée à une animation très populaire, un simulateur de conduite. Est-ce que là, vous voyez bien ? Parmi ses satisfactions, la tenue de cette année. On est en pantalon, on a un petit polo et surtout, on est en basket maintenant. Donc, on est quand même beaucoup plus confortable. Mais ce n'est pas tout. J'apprécie qu'on ne soit pas des plantes vertes à côté des voitures. Honnêtement, j'aurais pas fait ce job si c'était pour rester à côté de la voiture à rien faire.
stratégie de digitaliser son point de vente de Darty, elle est claire, elle est de mettre le e-commerce au centre du magasin et de mettre le vendeur au cœur de tout le dispositif. Donc elle permet en fait au client d'avoir une relation sans fil entre ce qu'il a vu sur internet et ce qu'il a vu en magasin avec un vendeur qui est hyper informé, hyper connecté et qui a accès à toute l'offre de Darty en temps réel et en toute mobilité. La digitalisation, elle change complètement la relation client parce qu'elle permet en fait au vendeur de se rassurer par rapport à un client qui lui est déjà suréquipé, surinformé, et quand il vient en magasin, il vient avec un niveau d'information qui est très élevé. Et donc notre challenge pour nous, c'est de rechanger la relation client pour retrouver la rassurance, être capable de montrer au client que nous aussi on est formé, nous aussi on est équipé, et ça marche beaucoup puisque du coup on retrouve une vraie relation améliorée avec nos clients. La digitalisation du point de vente chez Darty était une vraie révolution technologique. On a amené beaucoup de nouvelles technologies avec des configurations inédites qui n'avaient jamais été vues auparavant. On a donc du Wi-Fi, des firewalls, des tablettes, et tout ça doit être configuré et déployé à une vitesse très forte. Donc on a souhaité s'associer avec Orange Business Service pour travailler ensemble, pour être capable de réussir ce défi et faire en sorte que chaque déploiement de magasin soit une réussite et qu'on soit capable de tenir un planning très exigeant. Aujourd'hui, c'est une vraie réussite. On a déjà déployé un certain nombre de magasins. On a un planning de déploiement qui est déjà écrit. On voit que les premiers déploiements sont une vraie réussite. C'est un beau partenariat.